Au Mali, les jeunes constituent plus de 50% de la population et sont confrontés à plusieurs problèmes dont le plus récurrent est le chômage. Certains jeunes se battent avec les moyens de bord pour sortir la tête de l'eau. C'est le cas de Mohamed Lamine Traoré, habitant de la localité de Djalakorodji dans la région de Kolikoro. Son invention, une voiture qui l'a mise au point. J'ai commencé ce travail par la soudure. Je fabriquais les portes. Pendant des vacances à Kangaba, j'ai fait la connaissance d'un vieux menuisier Broulaï qui fabriquait des voiturettes. J'ai été émerveillé et depuis lors, il m'a pris sous son aile. Quand Mohamed Lamine parlait de son intention de fabriquer une voiture, ils étaient peu à le croire. Il est venu s'installer ici et un jour il m'a fait savoir qu'il veut fabriquer une voiture et je lui ai dit d'arrêter de rêver. Pour moi c'était impossible jusqu'au jour où il s'est mis à faire des chemins, puis à l'aide de ses économies, il a acheté des barres de fer, il a commencé à faire le châssis. Le jour où il a placé les roues, il m'a convaincu et je lui ai dit qu'il a fini par me surprendre agréablement. Dans le quartier de Djalakorodji, Mohamed Lamine parade fièrement avec sa voiture, attirant les regards admiratifs des uns et des autres. C'est une belle initiative car on dit « seul le travail paye ». Toute personne qui verra ce jeune peut aussi s'en inspirer afin de redoubler d'efforts pour le bien du pays. J'appelle les citoyens à aider ce jeune car il peut faire encore mieux. C'est un petit qui est très intelligent. Si jamais il bénéficie d'un coup de main, il va aller très loin. Nous prions pour qu'il ait du soutien. Lamine Traoré dit qu'il a d'autres surprises pour les Maliens. Malgré le manque de moyens, il espère que son invention prendra forme. Mon souhait, c'est d'aller plus loin parce que je n'aimerais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai encore plusieurs idées que je n'ai même pas mises en pratique. Après sa première voiture, Mohamed Lamine vient de recevoir une nouvelle commande. Une commande pour la deuxième voiture, Made in Mali.